Ça y est, François, ça y est. Bonsoir à c'est tous. Parti. Et merci d'être avec nous, 18h. Bienvenue sur 01 Net TV et c'est parti pour 01 Live Hebdo. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Google Assistant, intelligence artificielle, Android, c'est le grand show Google en Californie. Et notre spécialiste, Éric Le Bourlou, est sur place. On va le retrouver dans un instant pour débriefer toutes ces grandes annonces. Un méga duplex de la mort qui tue, les amis. Et ce sera aussi avec Aymeric Siméon qui, ici en studio, évidemment, et depuis la rédaction, a suivi tout ça. Tout comprendre aussi de la cyberattaque géante WannaCry tout à l'heure, Jérôme. Ah, c'était absolument dramatique cette semaine. Et c'est Delphine terrible. Qui, grâce à elle, enfin c'est Delphine qui va venir nous décrypter WannaCry. T'as pas payé de rançon, ça va ? Non, moi j'ai non, pas payé. J'ai pas été attaqué non plus, mais enfin bon, on va pas le crier trop fort. Touchons du bois. Hein. T'as raison. Côté labo, François, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a plein de bonnes choses. On a Stéphanie Molinier qui va venir tout à l'heure nous présenter pas mal de nouveautés. Et notamment ce magnifique smartphone. Le nouveau HTC. Qui a une particularité, vous allez voir. Oui, il est à moitié mou, si j'ai bien compris. Alors, pas tout, il n'est pas mou, mais il réagit en fait à la pression, si tu veux. Ouais. À quoi ça sert ? Vous le découvrirez dans un instant. Et puis, Aymeric, qui finalement est très bien avec nous, vient de nous présenter ce gros patapouf design. C'est un PC de la mort qui tue. Un patapouf design. Voilà, c'est ça. C'est le Dark Light. Il est beau et il est puissant. Il va nous en parler dans quelques instants. Et puis, les amis... Et puis, je sais que tu as une petite surprise. Oui, Jérôme, regarde ce que j'ai entre les mains. Oui, alors moi, je m'en vais, hein, parce que c'est n'importe quoi. J'ai là. C'est une émission high-tech ici, j'ai monsieur. J'ai la quintessence de la technologie, les amis, entre les mains. J'ai un Nokia 3310. Et si vous êtes gentil, tout à l'heure, vous entendrez la sonnerie mythique. Mais que si vous êtes gentil. C'est quoi? On est reparti en 1980? C'est ça l'idée? Soyez les bienvenus, c'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Et comme chaque semaine, tout d'abord, la question 01net Orange, le petit sondage hebdomadaire auquel on vous convie. Oui. Alors, eh bien, parlons du ransomware, c'était vraiment l'actu de la semaine. Faites-vous régulièrement des sauvegardes pour vous prémunir contre les ransomware? Vraie bonne question. Alors donnez-nous votre avis, enfin votre, faites-nous part de votre expérience. Est-ce que vous faites des sauvegardes très régulièrement, seulement de temps en temps ou bien jamais? On ne le répétera pas si c'est jamais. Voilà, le premier qui dit jamais aura une punition, mais globale, si vous voulez. Donc s'il vous plaît, allez-y, très régulièrement, seulement de temps en temps ou jamais. www.01net.com pour voter. Pour notre question 01net Orange, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, bien évidemment, sur 01nettv.com et que vous pouvez réagir à la fois avec le hashtag 01live mais aussi sur le flux de commentaires de YouTube. Hein, on est connecté et on vous lit. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo et donc Jérôme, tout de suite, direction... Nous partons en Californie. Mountain View. Bon, il est là Eric. Avec jamais. Éric Le Bourlou. Salut Eric. Voilà, ce ciel bleu. Salut. Jamais aura une. Alors je vous préviens, le son coupe un peu, donc j'espère que ça va bien se passer. Allez-y, j'espère que vous m'entendez. Seulement de temps en temps ou jamais. Alors je ne sais pas pourquoi je me réentends dans le live. J'entends ce que tu as dit il y a 5 minutes. Ah voilà, c'est tu sais, c'est le truc. Bon Eric, t'es là? C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Alors juste avant que tu nous racontes un petit peu pourquoi tu es à Mountain View, est-ce que tu pourrais nous faire un petit 360 oui. avec ton Mac pour nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble où tu es? Bien sûr, voilà, je suis un peu dans la zone où les gens déjeunent pour l'instant, hein. Ils sont en train de commencer leur journée. Là vous avez le statut de Polestar. Là vous avez l'amphithéâtre juste derrière où se passent les conférences. Et voilà. C'est génial. Et la petite statue Android qui a l'air très sympathique. Voilà, que tu nous as montré. C'est plutôt cool. Elle est, c'est un peu une star là. Durant la conf, elle a été beaucoup photographiée. Tu m'étonnes. Le nombre de selfies qu'elle a dû recevoir, cette pauvre statue. Donc c'est le campus de Google à Mountain View, c'est ça? Alors c'est pas tout à fait le campus de Google. C'est une énorme salle de concert en fait, qui est juste à 5 minutes du campus de Google. Donc c'est vraiment la maison hein, qui font ça. D'ailleurs, il y a une partie des conférences qui se font chez Google. Mais là, on est au Shoreline Amphitheater. C'est une grosse salle de concert en plein air. Où il y a d'habitude des concerts. D'ailleurs, il y en aura un ce soir de LCD Sound System, pour ceux qui connaissent. Ouais. Il a un boulot difficile, Éric Le Bourlou. Hein. Mais il a bien raison. Il a bien raison. Et vous pouvez le lire en ce moment sur 01net.com. Avec Aymeric Siméon qui est là. Salut Aymeric. Bonsoir. Alors Aymeric, c'est pas parce qu'on te présente maintenant que tu nous fais moins rêver. Hein, mais bon, oui. C'est vrai que tu es là, la rédaction. Voilà, tu suis les annonces. Mais malgré tout, il va être intéressant d'avoir ton analyse parce que pas mal de choses ont été annoncées, hein, Jérôme, hein, concernant cette Google I.O.
Eh bien, on va repasser la parole à Eric. Eric, qu'est-ce qu'il faut retenir alors au fond de ces annonces qui ont commencé dès hier soir, si j'ai bien compris? Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses d'annoncées. Alors il y a effectivement d'abord, bon, il y a eu évidemment le grand patron de Google, Sundar Pichai, qui est venu une nouvelle fois présenter sa vision des choses. Hein. D'abord, Google a une nouvelle fois présenté sa vision des choses, qui est de dire que aujourd'hui Google est avant tout une entreprise d'intelligence artificielle. Le mobile c'est un peu dépassé. Maintenant on passe à une autre étape qui est de mettre de l'intelligence, de plus en plus d'intelligence artificielle, du machine learning, dans absolument tous leurs services, toutes leurs applications. Donc c'est vrai qu'on a vu des services qu'on connaît déjà de Google qui vont en fait devenir plus intelligents cette année. Il y a eu beaucoup d'annonces. Alors c'est pas des annonces fracassantes, on peut pas dire qu'on a vu qu'on a vu des spécialement waouh, mais en fait, en vrai, ça montre que Google, bah, tous les services de Google vont demain être beaucoup plus intelligents, proactifs et vous aider à chercher mieux et davantage. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, nous, évidemment, on c'est ce qu'on n'a pas. Nous. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas. Nous, elle est naturelle, en fait. Naturelle. Elle est un peu plus limitée. notamment, je crois, dans Google Lens, hein, c'est assez étonnant ce qu'on arrive à faire avec l'IA, justement. Oui, Eric. Alors. Ça, c'était une des premières annonces de Google et c'est vraiment un peu la grosse annonce, on va dire, pour les services de Google. C'est en fait un service de recherche par l'image. On avait déjà Assistant qui vous permet de rechercher par la voix, en fait, de façon sémantique, en lui posant des questions vocalement. Et là, en fait, c'est une recherche grâce à l'appareil photo de votre téléphone. Alors, ça existait déjà, Google avait déjà lancé de la recherche visuelle, mais là, ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, puisque cette recherche sera beaucoup plus intelligente. Elle va vous permettre, par exemple, c'était un des exemples qui a été largement applaudi à la conférence, vous arrivez chez des amis, vous voulez vous connecter au Wi-Fi, et puis cette énorme chaîne de caractères pour le code. La clé web. La clé, ouais. Donc, il vous suffit en fait de pointer votre appareil photo vers la clé web, et puis la clé WAP d'ailleurs, WPA plutôt. Et là, votre smartphone va comprendre qu'il s'agit d'une clé Wi-Fi et va donc directement insérer ce mot de passe dans les paramètres du système. C'est non seulement une recherche visuelle, mais c'est lié à d'autres services Google ou à d'autres fonctions du téléphone qui vont en fait en induire une action derrière. C'est très pratique pour beaucoup de choses. Ça peut être utile évidemment pour utiliser une clé Wi-Fi. Mais ça peut aussi vous servir à traduire du texte, ça peut aussi vous servir si vous êtes, par exemple, dans une rue, vous cherchez un bon restaurant, vous allez voir immédiatement les notes de tous les restaurants, ceux qui vous proposent à manger. Et ce ne sera pas une application, Lens, ce sera quelque chose qui va être diffusé dans tous les services de Google, à commencer par Google Photos. Donc, Assistant, évidemment, l'assistant dont on a aussi beaucoup parlé hier. Google Assistant, justement, autre annonce importante. Alors, Google Assistant, oui. Ça existe déjà aux États-Unis, hein, les Américains l'utilisent. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça arrive chez nous. Alors, ça arrive chez nous cet été. C'était déjà arrivé par le biais de Messenger. De mais là, ça y est, donc Google Assistant et Google Home, l'assistant domestique de Google, arrive en France. Et ça, c'est effectivement une grosse annonce, parce que ça conditionne aussi l'arrivée des smartphones Google. Hein. On n'a pas parlé du Pixel trop cette année à l'IO, mais il y aura évidemment un nouveau smartphone Pixel, et on l'aura donc en France sans problème cette année. Ça, c'est vrai que c'est une grosse annonce. L'annonce, effectivement, que ça arrive en France, et aussi que Assistant débarque sur iOS, ça y est, chez Apple, pour faire face à Siri. Donc, Google a lancé hier une version iOS de son Assistant. On va voir maintenant si elle est aussi bien intégrée que la que même sur Android. Voilà, c'est ça. Hein. Il faut voir si Apple a ouvert les vannes, oui. On va dire. Ouais. Évidemment, ils n'ont pas. D'ailleurs, vous pouvez lire sur 01net une prise en main, puisqu'on a une prise en main de Google Assistant sur 01net. C'est pas évidemment pas aussi bien intégré que Siri, puisque ce n'est pas possible chez Apple, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Eric, alors il y a également des nouveautés en matière de réalité virtuelle? Oui, alors c'est des nouveautés qui ont été annoncées, mais qui ne sont. Alors on a beau faire le tour de tout le salon ici, de toute la conférence, il n'y a pas de trace de ce produit. Mais effectivement, Google travaille avec Qualcomm
et avec HTC a un casque de réalité virtuelle qui serait complètement autonome, c'est-à-dire vous n'avez plus besoin de vous n'aurez plus besoin de tracker hein, comme on l'a sur le Vive. En fait, il profite des technologies qui ont été créées pour Tango hein, pour pouvoir vous proposer un casque sans tracker. Donc vous pourrez vous balader, on va dire, vous déplacer dans l'univers virtuel sans avoir besoin de ces balises qu'on retrouve dans un Oculus ou sur un Vive. Et ça peut tout changer, parce que ce sera beaucoup plus facile, du coup, pour profiter d'une expérience de réalité virtuelle. Malheureusement, ce n'est qu'une annonce, on ne sait pas quand ça va sortir. Pour l'instant, on ne l'a pas vu sur place. Oui, c'est un peu les Google Glass version 2018, quoi, 2017-2018. Ouais. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que Google a ressorti du placard son projet Tango. Hein. Le projet Tango, c'était la vision de la réalité augmentée par Google. Ça fait quelques années qu'ils avaient lancé ça. Et puis, on avait un peu oublié ce projet. Et là, vu que la réalité augmentée revient à la mode, hein, tout le monde en parle aujourd'hui, Google l'a ressorti du placard. Et donc, il y a un nouvel appareil Tango qui va sortir, un smartphone Acer. Et il est là, il est présent. Et voilà. Donc, ça, par contre, ça va arriver beaucoup plus vite. Parfait. Alors, il y a eu d'autres annonces qui ont été faites, mais ça, c'est vraiment les plus importantes. Eric, qui est présent à cette Google I.O. On a vu qu'il y avait énormément de monde autour de toi. Il n'y a pas que des journalistes, là. Ah non, il y a d'ailleurs une minorité de journalistes. En fait, la plupart des gens ici sont des développeurs, sont des gens qui travaillent avec les technologies Google, qui développent des applications mobiles, qui sont ingénieurs logiciels, qui travaillent avec toutes les technologies de Google, qui font du machine learning et qui donc viennent ici pour en apprendre beaucoup plus sur toutes ces technos qui sont en train de bouleverser la façon dont ils doivent programmer, en fait. Parce que, voilà, là, nous, on fait... On est journaliste, on ne comprend pas, je dois l'avouer, je ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Hein. Il y a des sessions très, très techniques où on entre dans le dur avec des lignes de code et de l'intelligence artificielle. Et c'est pas à la portée de tout le monde, je peux vous le dire. Donc les gens viennent ici pour se renseigner, pour en apprendre plus sur toutes les technologies que Google met à leur disposition. Et voilà, il y a par exemple des stands où vous pouvez arriver avec votre appli mobile et puis Google va vous dire bah, « ça, il va falloir vous l'améliorer » ou alors « comment faire pour faire ceci ou cela avec nos technos ». Donc c'est principalement pour ça que les gens viennent, pour acquérir du savoir. D'accord. Alors, dernière chose, il est quelle heure chez toi? Il est 9h15, c'est ça? Donc, tu es en plein petit-déj? 9h15. C'est ça? Ouais. Et je suis au café, oui. J'en suis au café. Alors ici, ce qui est marrant, c'est que il y a une vie le soir. C'est très différent d'autres conférences. En fait, Google n'appelle même pas ça une conférence. Ils appellent ça un festival. Et effectivement, ça a des airs de festival. Il y a des choses assez étranges qui se passent la nuit. Des gens qui jouent au ping-pong, qui font des méga baby-foot, qui boivent des bières. C'est assez étonnant. C'est assez sympa en fait de voir tout ce qui peut se passer ici dans ce paradis des geeks le soir. Mais ça se voit parce que t'as la banane vraiment, hein, Eric, ça c'est cool, t'as l'air en super forme alors que tu t'es tapé 11 heures de vol, t'as 9 heures de décalage et malgré tout t'as l'air d'être dans ton élément là, hein, franchement. Hein. On est plutôt bien ici, c'est vrai, au soleil de Californie, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. Bon, il va falloir que tu rentres quand même, hein. Oui, malheureusement, oui. Ouais, d'autant que ta patronne Delphine vient d'arriver, là, donc elle te surveille. Hein, voilà. Ah, et voilà, tout de suite, ouais. Là. C'est vrai qu'on l'attend, hein, on est impatients qu'il revienne. Bon, Eric, merci beaucoup depuis Mountain View. Depuis Mountain View, ouais, formidable. On a eu le compte-rendu complet de toutes ces annonces Google. C'est cool. Bon, on voit qu'une fois de plus, quand même, on fait des pas en avant qui ne sont pas inintéressants. Hein. Ouais, et cette intelligence artificielle qui arrive comme une lame de fond partout. Ouais. Hein. Après, il faudrait se méfier un petit peu du bullshit qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a partout maintenant de l'intelligence artificielle. Hein. Ouais, c'était un peu comme les objets connectés. Ouais, il y a dès que vous temps. Avez des calculs un peu évolués, c'est oui, nous on fait de l'intelligence artificielle. Oui, peut-être on pas. Fait... Alors, si on peut dire qu'il y a quand même des gens qui le font, c'est bien Google, parce que s'il y a une entreprise qui sait le faire, ce sont bien eux. Et je pense que tous leurs concurrents devraient se méfier de la puissance de Google, et ça se voit ici quand on voit l'intelligence que peuvent avoir leurs services par rapport à ce que fait par exemple Apple. Je pense qu'il faut quand même que la concurrence se méfie beaucoup de Google, parce qu'ils ont tellement de données sur nous. Et voilà, en fait, c'est ça. Ils ont énormément d'avantages. Ils ont la matière première, ils ont les données, on fait pas d'intelligence artificielle sans données. C'est clair. Merci beaucoup encore une fois Eric Lebourlou, rédacteur en chef de Zeronet.com à Mountain View, et qui nous a fait vivre, regardez ça, les images en direct et ses propos en direct donc de Californie. 6h15. On va
parler de choses moins gaies, mais oui. néanmoins de toute première importance. Oui, mais comme ça va être évoqué avec Delphine, ça va être super. C'est vrai que ça va être beaucoup plus sympa que si c'était plus sympa. Avec toi seulement. Bah, écoute, oui. Peut-être tu as un petit mot sur la question 0Net Orange ou pas? La question 0Net Orange, oui. Qu'est-ce que ça donne alors cette question? Où en êtes-vous dans vos réponses? Vous savez qu'on vous interroge justement cette semaine sur les ransomware. Oui. Faites-vous régulièrement des sauvegardes pour vous prémunir des ransomware? Voilà. Alors là, je vois rien du tout. Hein. Je vous le cache pas, j'arrive pas à lire. Alors, écoute, en tout cas, la plupart de nos internautes, la majorité en fait très régulièrement. Exactement, c'est absolument. Ça c'est très bien. Donc c'est plutôt bon signe. On n'a jamais. Il y en a quelques-uns qui sont amusés à nous mettre jamais, mais je pense que ça c'est des petits fifous rigolos. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est pas alors, vrai. Ils ont pas de données, ils ont rien, ils ont que du. Voilà. Hashtag 01 live sur YouTube, vous pouvez nous laisser vos petits messages puisque avec le chat vous pouvez discuter avec nous en temps réel. Il est temps maintenant de retrouver notre Zoom Actu. Et le Zoom Actu, c'est avec Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Bonsoir François, bonsoir Jérôme, bonsoir, Delphine. Bonsoir tout le monde. Alors c'est vrai que cette semaine, on a vibré et on a tremblé avec cette affaire incroyable qui a touché des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde, une vague d'attaques informatiques sans précédent et une vague d'attaques qui est vraiment intéressante à plusieurs titres, hein, Delphine. Oui, je trouvais que c'était intéressant de reprendre vraiment cette affaire de bout en bout pour comprendre ce qui s'est passé et voir comment on peut demain réagir face à ça. D'autant qu'on commence à avoir un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Exactement. Donc là, on est à une semaine de cette cyberattaque mondiale que tout le monde appelle WannaCry. Mmh. Le vrai nom de code de ce virus, c'est WannaCrypt0R 2.0. Ouais. Si vous voyez ça apparaître sur un ordinateur dans votre entreprise, puisqu'il touche plus particulièrement... C'est que c'est pas bon. Le domaine professionnel, eh bien, c'est que les données ont été cryptées. Donc c'est un rançongiciel. Il s'installe sur les machines et une fois qu'il est présent, eh bien, il va crypter les données. Et pour les récupérer, eh bien, on vous demande de vous acquitter d'une rançon. Cette rançon, pas très élevée, finalement, il demande $300 à payer en bitcoin dans les 3 jours. Alors c'est une grosse somme, mais elle est raisonnable, cela dit. Finalement, pour une entreprise, ça ne semble pas si délirant. Le montant double, hein, quand même, si on s'exécute pas au bout de 3 jours. Et puis, au bout de 7 jours, le virus menace de supprimer définitivement l'ensemble des données qui sont présentes sur la machine. Là, c'est beaucoup moins drôle. Là, effectivement, il faut faire attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut payer, évidemment. Non. Qui a été touché par ce virus concrètement, Delphine? Alors, on parle de 200 000 PC qui ont été infectés donc partout dans le monde. Hein, ça, ce sont les chiffres d'Europol. 150 pays qui ont été touchés. En France, on a beaucoup parlé des usines Renault. Il y a eu aussi l'université de Bordeaux. En Espagne, il y a eu l'opérateur Telefonica. Il y a eu FedEx aux États-Unis. Il y a eu aussi beaucoup d'hôpitaux en Grande-Bretagne qui ont dû fermer les urgences, annuler les rendez-vous, les opérations chirurgicales. Donc ça a eu un impact très important, au moins pendant une journée. Voilà, ça a touché aussi en Allemagne, les réseaux ferroviaires, des pompes à essence en Chine. On a vu finalement que c'était présent, voilà, un petit peu partout dans notre vie quotidienne finalement, ces PC sous Windows. Bon, alors ce qu'on sait maintenant, qui est à l'origine de cette cyberattaque? Alors, il y a une hypothèse qui a été émise par des experts en sécurité qui reconnaissent en fait des indices techniques, des méthodes qui font penser à Lazarus. Lazarus, c'est un groupe de pirates qui notamment est ressorti à l'époque du sabotage en 2014 de Sony Pictures. C'est aussi Lazarus, un groupe qui est assez proche du gouvernement de la Corée du Nord. Voilà, ce faisceau d'indices, évidemment, ne veut pas dire que ce sont les coupables. Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours. Comment s'est propagé ce virus et surtout comment? Oui, alors, donc il exploite une faille dans Windows. Je vous ai fait une belle phrase. Mais non, mais c'est vrai. J'en suis très, comment, très fier. Comment et comment, en fait? Une faille présente dans Windows qui a été corrigée en mars par Microsoft, mais pas sur toutes les versions, puisqu'on sait que depuis 3 ans, eh bien, Microsoft n'assure plus l'assistance sur Windows XP. Donc là était la faille véritable, je dirais. C'était que finalement, il y avait encore beaucoup d'entreprises et de clients qui restaient sous Windows XP. Alors, on peut se poser la question, est-ce que finalement, Microsoft est coupable, est responsable dans cette affaire? Est-ce qu'il aurait dû continuer à assurer un service sur ces machines qui continuent, elles, à être opérationnelles?
J'ai pas de réponse à cette question. Ce que je peux dire, c'est que Microsoft quand même s'est rendu compte que face à l'ampleur de l'attaque, il fallait publier un patch. Donc ils se sont à nouveau quand même préoccupés de Windows XP. Et ce patch qui a été mis en place avant, hein, avant évidemment, l'attaque hein. C'est ça qui est incroyable. En mars, absolument. Donc ils sentaient quand même le vent tourner. Oui. Mais pourquoi ? Mais qui a pas été appliqué partout. C'est ça alors, le problème. Pourquoi il a été appliqué ce patch ? Parce qu'il y a eu une information qui a fuité. Et c'est là où Microsoft dit, nous ne sommes pas responsables. Les vrais coupables, c'est la NSA. Puisque la NSA connaissait cette faille depuis très longtemps. Elle l'a exploitée pour faire ses opérations de surveillance. Et elle n'a pas communiqué dessus. C'est-à-dire qu'elle n'a informé aucun éditeur, aucune entreprise du danger, du risque d'exploitation de cette faille. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Des hackers, eux, se sont réjouis à l'idée de publier des documents pour montrer les techniques de la NSA. Et là, cette faille est devenue public et a pu être exploité. Dès qu'elle a été publique, évidemment, Microsoft a procuré un patch et maintenant vient de le faire sur Windows XP. Bon, alors, éternelle question. Donc c'est vrai que ça pose le débat de la confidentialité aujourd'hui sur les failles de sécurité. Est-ce qu'il faut communiquer dessus ? Ouais, est-ce qu'il faut les garder confidentielles ? Et puis aussi sur l'obsolescence de certains systèmes d'exploitation qui sont vieux, qui ont plus de 15 ans. Hein, c'est le cas de Windows XP. Ouais. Mais qui est tellement bien, ce petit Windows XP. Ah oui, c'est vrai. Il fait son travail encore, visiblement. Eh oui. Bon, alors, question classique. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de problème sur son ordinateur ? Ah, évidemment, on ne paye pas. On sort sa carte bancaire ? Non. Non. On ne paye pas la rançon. D'abord, vous n'avez aucune garantie que ça va vous permettre de récupérer les données, évidemment. Non, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est avoir des sauvegardes. C'est la question qu'on pose aujourd'hui dans le sondage. Il faut avoir des sauvegardes le plus à jour aussi pour pouvoir réinstaller l'ensemble de vos données vous-même tout seul comme un grand. Il faut faire absolument les mises à jour des logiciels, ça on le dit tout le temps, mais on le répète à chaque fois. Et puis en l'occurrence, là, il faut installer ce patch en urgence MS-17010 qui a été procuré par Microsoft. Et puis il faut mener l'enquête, c'est-à-dire que là, c'est le travail des experts en sécurité et puis des petits hackers intelligents comme le jeune homme britannique de 22 ans qui lui est allé voir dans le code et puis il a trouvé un nom de domaine complètement délirant qui ressemble à rien. Il s'est dit, tiens, c'est étonnant, je vais aller voir. Et puis, ce nom de domaine n'était pas déposé. Il l'a acheté et ça a tout changé. Ouais. Puisque finalement, il y avait une espèce de sécurité installée par les pirates. Ils avaient mis en place un relais, c'était ce nom de domaine. Quand l'ordinateur était infecté, le virus allait interroger ce nom de domaine. Si le nom de domaine ne répondait pas, eh bien, il pouvait infecter la machine. À partir du moment où ce nom de domaine répondait présent, donc était déposé par quelqu'un, le virus s'arrête. C'est comme si on payait en fait. Puis bagage. D'accord. Donc c'était une sécurité qui a été mise en place par les pirates, on ne sait pas trop pourquoi, et ce jeune homme, en menant son enquête, a réussi à freiner l'attaque. Comment éviter, Delphine, que ça se reproduise ? Parce que ça va se reproduire forcément. Oui. Bah, supprimer les ordinateurs. Voilà. C'est ça. Déjà, bientôt dans les avions, on n'en aura plus. Oui, c'est vrai. Et maintenant, supprimons-les. Bon, mais moi, je suis contre quand même. Je pense qu'on peut résister. évidemment, donc, il y a des bonnes pratiques à mettre en place, notamment dans les entreprises. Voilà, je pense que tous ceux qui sont responsables de la sécurité doivent tenir les systèmes à jour. Il faut aussi, je pense, communiquer sur les failles. C'est très important. On ne peut plus vivre dans un monde opaque. La transparence est devenue une question de sécurité aujourd'hui. Edward Snowden sort de ce corps. Et bon, après, évidemment, tout ça reste impossible à garantir. On n'aura jamais zéro risque. Encore hier, on avait un autre groupe d'experts, de chercheurs en sécurité qui nous dévoilait que finalement cette faille était exploitée par un autre virus qui était encore pire que ça, Adil Kuz. Encore pire puisque finalement lui s'installe sur la machine et une fois qu'il est là, il s'occupe de tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il va lui-même créer des unités de monnaie virtuelles et ensuite les envoyer à une adresse chiffrée. Générer des revenus auprès des assaillants. Voilà. Donc finalement, il paye sa rançon tout seul. Vous payez les MAFRA sans le savoir. Génial. Alors il y a un indice quand même, il faut installer des logiciels qui détectent les malwares. Et puis si vous avez un ordinateur qui d'un seul coup devient très lent, c'est qu'il y a un problème. Ouais, mais c'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Merci Delphine. On peut le chasser. Delphine Sabatier, donc de la rédaction de 01net.com pour ce Zoom Actu. Et tout de suite, direction le labo, les amis. Fait du bruit. Non, c'est quoi ce jingle qui en finit plus ? Et Delphine a ses mais c'est quoi ce bruit, François, depuis tout à l'heure ? Non, mais ça te rappelle pas. C'est notre Madeleine à nous. Elle est remixée là. Oui, c'est la version 2000. Sonnerie du Nokia de toujours. C'est dingue. Oui, hein. c'est très joli. Regardez ce que j'ai entre les mains. Mais je vous en parle tout à l'heure. Mais comment ça s'arrête ? Arrête-toi maintenant. Et c'est Stéphanie Molinier qui nous a rejoint.
Salut Stéphanie. Bonsoir. Alors bon, là, moi j'ai la quintessence du vintage. Stéphanie a entre les mains la quintessence de la modernité. High-tech. Voilà, ouais, on peut le dire carrément. Avec ce nouveau HTC qui vient d'arriver à la rédaction. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, tout à fait, je viens de le ramener. Donc c'est le HTC U11. On dirait pas un téléphone tellement il brille. Ah non, oui. C'est dingue, c'est dingue. Mais HTC a particulièrement pris soin du design de son nouveau flagship, le U11 ou U11, pardon. Alors, en fait, le dos est en verre et il est constitué de plusieurs couches de verre. Et en fait, avec les reflets de la lumière, Il brille. Voilà. Et il change de couleur. C'est beau. Hein. Donc pour Noël prochain, vous pourrez accrocher les smartphones directement dans le sapin. Bon, pour ceux qui ne seraient pas fans, il reste des couleurs tout à fait classiques comme le noir, donc pas d'inquiétude. Et donc en fait, cet appareil, c'est le tout dernier flagship de HTC. Hein. Vraiment, c'est celui qui prend le relais du HTC 10. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Je n'osais pas poser la question. Alors déjà, il a des caractéristiques hyper haut de gamme. On a le top du top sur l'appareil, puisqu'on a un écran 5,5 pouces Quad HD. D'accord. Donc, c'est de la très haute définition. Et on a le processeur Snapdragon 835. Et ça va donc être le premier appareil à être commercialisé en France avec le processeur haut de gamme de Qualcomm. Et alors, il est bien ce pros? On n'a pas encore testé l'appareil, on n'a pas eu le temps, mais le Snapdragon 835, c'est le plus puissant du marché, donc il n'y a aucune raison que... Bien sûr, oui, donc, pas de mauvaise surprise, de chauffe, de consommation... À le manipuler comme ça... Avec la claque qui sont pris l'année dernière, ils ont dû vérifier ça, c'est un peu comme, exactement, comme le Galaxy Note 7 de Samsung. Ouais. Alors, la particularité de l'appareil, c'est l'intelligence artificielle et un nouveau mode d'interaction qui s'appelle le squeeze. Alors, avant de parler d'intelligence artificielle pure, qu'est-ce que le squeeze? Alors, on peut peut-être déclencher. Imaginons, on a l'appareil écran éteint, et en fait, d'une simple pression sur les côtés de l'appareil. Bien dans le micro. Oui, alors c'est refais la démo. La démo en direct, c'est juste pas évident. On a un téléphone écran éteint. Oui. On le saisit, une simple pression. Et hop, l'appareil photo est lancé. J'ai appuyé là. Sur les deux bords de l'appareil, en haut, en bas. Là, tac, voilà, l'appareil photo s'est lancé et je rappuie une deuxième fois et voilà, François est immortalisé. Voilà, zut. On peut le voir sur la photo. Oui, voilà, magnifique. C'est ma plus belle photo, celle-là. Superbe. Elle est magnifique. Donc, la particularité, c'est que sur chaque côté du téléphone, on dirait un lapin dans les phares. Il y a des capteurs de pression. C'est dingue, ça. Et en fait, on. Oui, parce qu'il n'y a pas de partie mobile. Hein, la tranche ne bouge pas. Mais une simple pression des deux côtés permet de lancer la caméra. Autre chose, on peut lancer l'assistant vocal, ce qui permet de communiquer. Alors, il faut appuyer ici, des deux côtés. Pardon. Voilà, hop. Ah oui, d'accord. Et la pression se règle, je précise. On va dans les fonctions, on va dans les paramètres et on règle le niveau de pression à sa convenance. Donc, on peut lancer l'enregistrement vocal, on peut lancer son application préférée, on peut lancer l'assistant vocal pour causer un peu avec Google. Alors bon, C'est un petit côté pratique. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est révolutionnaire? Franchement, est-ce que ça va bouleverser l'usage du téléphone? À l'usage, lancer l'appareil photo comme ça, c'est assez sympa. Parce qu'on n'est pas obligé de déverrouiller son appareil. On le saisit, on appuie et hop, il est prêt. Il est prêt à fonctionner. Et puis en plus, on prend la photo quand on fait un selfie en appuyant encore une fois sur les tranches du téléphone. Exactement. Et là, le téléphone se déclenche. C'est quand même assez pratique. D'accord. Alors, à côté de ça, il y a l'intelligence artificielle. Et il faut savoir que cet appareil, alors malheureusement en France, on ne sera pas complètement concerné, juste partiellement. Donc on a déjà HTC Sense Compagnon. C'est une petite application qui, quand on l'aura paramétrée, va permettre à l'utilisateur de recevoir des notifications qui concerne directement. Voilà, combien de temps il va mettre le matin pour se rendre sur le travail. Oui, c'est le Bixby d'HTC. Quoi, voilà, hein, comment il doit s'habiller, etc. C'est des notifications. Mais à côté de ça, l'appareil embarque aussi Google Assistant, l'a-t-on appris, sera disponible en France cet été. Ouais. Et également Amazon Alexa. Alors, pour là, j'ai pas de date. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le téléphone, quand il sera au repos, à la fois
Tout dépend si tu dis Google Home ou OK Google. Ou Alexa, il va détecter et il va lancer le système vocal qui va bien. C'est assez étonnant. Merci. Hein. Il est sorti déjà ou pas? Alors, il est là il en précommande ou incessamment précommande. Il sort le 1er juin au prix de 759 euros. D'accord. C'est 759, voilà, 759 parce qu'on nous demande sur YouTube. Ouais. Effectivement, et alors, certains trouvent ça peut-être cher, mais il faut rappeler qu'un Galaxy S8, c'est 809 euros. Mmh. Enfin, vraiment, et ça brille moins, un Galaxy S8. Ça brille moins. Parce alors, que là, on n'a pas l'écran sans bord. On est au sommet du brillage. Hein, quand même. Écran sans bord ou intelligence artificielle, il faut choisir. Et voilà. Design un peu flashy, bling bling. Deux petites précisions quand même. 759 euros, mais il faut quand même savoir que l'appareil est livré, or déjà, avec un câble, une coque de protection. Ils sont sympas. Qui permet d'utiliser le squeeze. D'accord, sur le côté. Hein, voilà. D'accord. Et il est livré également avec des écouteurs à réduction de bruit active. Ah oui, quand même. Ça coûte un petit peu, et ce genre de choses. Qui se branche sur le port USB-C du téléphone. Hein. Qui se branche sur le port USB-C, parce que la particularité de cet appareil, c'est qu'il n'a pas de prise jack 3,5. Voilà. En revanche, HTC a été sympa. Un adaptateur est fourni. Voilà, ça c'est cool. Cet adaptateur qui permet de brancher des écouteurs filaires si on en a. Voilà, exactement. Donc un produit plutôt intéressant qui, s'il livre de bons résultats dans les tests, est plutôt prometteur et devrait se classer dans notre top 5 des meilleurs smartphones du monde entier. Évidemment, HTC joue gros, hein, puisqu'on sait que malheureusement HTC enchaîne échec sur échec concernant les smartphones haut de gamme. Mais ça, ça peut faire la différence. Pas avec le Vive. Heureusement, pas avec le masque. Mais ça, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Mais c'est vrai que pour les smartphones, c'est un petit peu plus compliqué pour HTC. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Merci, Stéphanie. Je te rends le HTC U11. Emric est venu avec un PC, les amis, un PC de la mort qui tue. C'est, on peut le dire, l'un de tes coups de cœur du moment. Ouais, c'est un PC de bureau qui a été conçu par Matériel.net, donc l'enseigne française, et aussi par Watermode, alors qui sont une équipe de bricoleurs de luxe de PC, on va dire ça comme ça. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la conception de refroidissement, enfin de systèmes de refroidissement liquide en fait. Donc voilà, donc le Darklight by Watermode de Matériel.net, c'est son nom, c'est un peu rallonge, mais il le porte plutôt bien. Alors on ne va pas vous faire le coup de c'est un PC tout en ombre et lumière, hein, parce que bon voilà. Mais néanmoins, c'est un PC qui donne. Sur le communiqué de presse. Oui, c'est ça, voilà. Alors qui donne en tout cas assez bien finalement la note sur laquelle il va jouer, puisque bien sûr avec ça, Word tourne parfaitement. C'est avant tout une machine de jeu, on va pas se la cacher. À l'intérieur, ils ont mis à peu près tout ce qu'il y avait de très bien en ce moment, sans toutefois non plus verser dans... Oui, dans la pornographie high-tech. Voilà, dans la pornographie. On peut le dire comme ça ou pas? C'est bien trouvé. Hein, moi, j'aurais dit dans l'opulence. Voilà. 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 Après, voilà, tout dépend. Voilà. Si donc, j'aime bien la pornographie high-tech. Ça te plaît? C'est ça. Ouais, voilà. Ça m'étonne pas. Donc, que dire sur cette machine? Bon, déjà, c'est une machine de jeu. Voilà. Il y a un Core i7, il y a 16 gigas de mémoire à l'intérieur qui s'illumine de blanc. Parce que quand on va allumer la machine, en fait, il y a plein de petites LED blanches qui vont s'allumer, donc qui permettent de voir en fait l'intérieur de la machine. Voilà, donc là on le voit à l'écran. Et en fait c'est pas un drone, hein, parce que vous avez vu des... Voilà, et c'est pas c'est non plus... C'est incroyable comme les constructeurs soignent le design, y compris le design intérieur. C'est ça. Des en fait, il n'y a rien de plus... Enfin, en tout cas, c'est un maniaque qui vous le dit. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable plus quand on ouvre un PC, quand il arrive au labo, de se rendre compte qu'il a été monté complètement à l'arrache, avec des fils qui dépassent. Voilà. Alors que là, c'est super clair, c'est très beau, c'est très lisible, c'est même j'ai envie de dire. Quoi, voilà. Il est livré dans un boîtier donc de la marque InWin, qui est assez connu pour concevoir des boîtiers. Il y a une locomotive sur le dessus, visiblement. Alors, pas tout à fait non, c'est le réservoir d'eau. Et au-dessus, c'est le radiateur, effectivement. Mais voilà, mais en fait on a en fait à l'intérieur donc la pompe, le circuit de refroidissement qui en fait va se charger de passer à la fois sur le processeur mais aussi sur la carte graphique. Et ça c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui il est possible d'acheter tout fait dans le commerce des kits pour refroidir le processeur. C'est par le contre même pour refroidir système de refroidissement la carte graphique qui refroidit tous les organes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'est un circuit complètement fermé, un peu comme un circuit de chauffage, hein, ouais, voilà, ou c'est voiture. Complètement fermé, voilà, de ou de voiture. Ouais. Et en fait sur la partie supérieure du boîtier qu'on voit là, en fait il y a un énorme radiateur par lequel le liquide va transiter et refroidi, puis hop, et réinjecté, etc. Que dire? C'est une machine qui est limitée. Elle sera produite qu'à 50 exemplaires. Oh. 50 oh. Voilà. Alors vas-y, balance sous le prix. Comme et ça, ben, au moins... Le prix, finalement, alors effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde. Et oui, on sait,
Voilà, parce qu'on me l'a demandé de le faire en régie tout à l'heure. Donc oui, on sait. Il est possible, avec l'ensemble des composants, d'avoir une machine, certes, moins chère sur la montre soi-même. Voilà, mais peut-être moins belle, etc. Elle coûte que 2800 euros. D'accord. Ah oui, voilà. Et elle sera les premiers modèles. Quatre HTC pour ce prix-là. Voilà. C'est ça. Et les premiers modèles vont commencer à normalement être expédiés dès la fin du mois de mai, début du mois de juin, si mes souvenirs sont exacts. Ce qui est assez intéressant sur cette machine, c'est que, outre le fait que ce soit très beau, on pourra quand même la faire évoluer. Hein, c'est pas figé, le boîtier a encore des possibilités d'évolution, etc. Donc on pourra tout, enfin en tout cas sur le stockage, ça il sera facile de faire évoluer les choses. Après, faire évoluer le circuit de refroidissement sera autre chose. Et là, il faudra peut-être faire retour à la case water mode. Dernier petit mot, elle est garantie 2 ans par matériel.net. Ouais. Elle est livrée avec Windows. C'est ce qu'on appelle donc, un PC d'assembleur. En fait. Elle est voilà, c'est une machine assemblée et honnêtement, elle a de quoi faire rougir pas mal d'Alienware et autres parce que elle est vraiment très très belle. Une alien qui rougit, je vous raconte pas. Hein. Ouais. ça fait peur. Ça fait pas trop de bruit ? Alors non, c'est très silencieux. Ouais, même les, alors il y a 6 ventilateurs dans la surtout machine. Si tu passes l'aspirateur à six côté. Il y a 6 ventilateurs, mais ils sont réglés. Ils tournent pas trop vite et surtout ils sont très silencieux. Voilà. Parce que Jérôme a fait sa thèse hein, quand il était fait ma thèse sur les ventilateurs. Absolument, donc, tout à fait. C'est pour ça je suis incollable que, là-dessus. C'est vrai. Hein, sur refroidissement des PC. Mais on avait eu vent de cette information. C'est ça. Et le test à retrouver bientôt. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Personne n'a compris ma blague, mais c'est pas grave. On avait eu vent, les ventilateurs. Non, mais au replay, vous souviendrez de moi au replay. C'est ça. On dirait que vous dites, mais il est débile. Mais au replay, vous direz, attends, je me le repasse. Voilà, c'est ça. Les amis, non, juste un mot quand même. Ah, juste avant, la question orange. Alors oui, la question orange, allons-y. Tout de suite. La question c'était, faites-vous régulièrement des sauvegardes pour... vous prémunir des ransomware. Vous prémunir des ransomware. Parce que c'est écrit en français, hein, mais t'as du mal. Oui, non, mais j'ai fait un refresh au même moment, c'est pour ça. Oui, de temps en temps seulement à 35%. C'est pas terrible ça. Hein. Non, c'est pas joli, joli. Très régulièrement 33%, et jamais 31%. C'est vraiment... Un tiers. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe les amis? Mais alors à la décharge des gens qui répondent jamais ou pas souvent, c'est vrai que c'est pas évident de faire des sauvegardes. On ne sait pas quoi sauvegarder, comment, sur disque dur, sur cloud, sur machin. Il faut vraiment étudier la question et se pencher en détail sur le problème. Mais faites-le vraiment, vous ne le regretterez pas. Et la chose la plus importante, c'est mettez à jour toujours votre système d'exploitation Windows, hein, qu'il soit ancien ou nouveau, surtout toujours les mises sur Mac, à jour. Sur les Mac, évidemment, il n'y a pas eu ce problème-là. Mais ça va, t'es content ou quoi? Non, mais c'est Windows, voilà, il y a Windows, il n'y a pas que Windows. Tu sais quoi, tiens, pour la peine, je vais te prendre en photo avec mon Nokia 3310. Bon, alors allons-y, ce Nokia 3310, qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, c'est pas joli. En fait, le Nokia 3310, il fait des photos, mais un peu comme Instagram, mais filtré. Mais il fait des photos quand même, parce que l'original ne faisait pas de photos. Ah, mais là, non, mais non, mais évidemment, le nouveau 3310... Il a ce goût vintage, mais malgré tout, il apporte quelques nouveautés. D'accord. Écran couleur. Des photos quoi, VGA écran couleur, 2 mégapixels, Coco. Ouh. Donc c'est vraiment une explosion de couleurs formidable. Hein, tu fais une photo, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'était tellement bien dans les années 90. Comme ça, tu peux l'agrandir. Tu te rappelles quand on faisait de la vision en 3G avec oui, le téléphone clapé. Exactement. Ben voilà, c'est à peu près la même chose. Bon, c'est celui qui avait été présenté à Barcelone en février. Exactement. C'était l'événement buzz. Alors regardez, il est là, il est tout mignon, il est tellement mignon ce petit téléphone. Mais à quoi il sert? À rien. Merci, au revoir. À part téléphoner, les amis, à part téléphoner, à part prendre des photos pas bonnes. Mais le truc, c'est qu'avec ça, tu sais quoi? Tu vis ta détox numérique, mon pote. Alors ça aussi, ça sent un peu le communiqué de presse. Tu vis ta détox numérique. Et alors, tu sais quoi? Il y a un truc qui est sympa. C'est que couplé avec une deuxième carte SIM de ton numéro de téléphone, par exemple, tu vas courir. Ouais. T'as pas envie de prendre ton gros smartphone, la pâte à pouf, comme ça, regardez. Quand même, c'est pas la même chose. Eh bien là, tu as du MP3. Mmh. Tu as une double SIM. Mmh. Tu peux mettre une carte mémoire pour écouter la musique. Et il est Bluetooth. Tu peux mettre Twitter. Tu peux mettre Tu peux pas mettre tout ça. Ta tu Snake. Peux, tu peux connecter une ta montre. Snake. Et encore le Snake de Gameloft. Le Snake donc de Gameloft. C'est même pas l'original. Ouais. Tout à l'heure, j'ai joué. Tu c'est as pas... un navigateur Internet Opéra en 2G, mon pote. Ouais. Et là, ça dépote. Parce que déjà, pour écrire l'adresse web, il faut 3 quarts d'heure hein, avec le clavier. Donc, non mais qui va il faut refaire un sujet là-dessus dans 6 mois. Mais bien sûr, mais moi tu sais quoi, dites-nous sur Twitter. Mais Jérôme, moi je te propose, tu sais quoi, qu'on fasse un fight iPhone 7 Plus contre Nokia 3310. Oui, moi je lance ça comme ça, les amis. On fera Maserati contre vous qui nous regardez. Après. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un fight iPhone 7 contre Nokia 3310? On est prêt à tout. Pourquoi pas? Mais j'ai des arguments, tu vas voir. Oui, oui. Un mois d'autonomie, mon pote.
D'accord. Et donc, il a été présenté cette semaine dans un très grand magasin de technologie. Hein, c'est tout ça fait chez Colette. Chez Colette. Et alors, attends, Colette, il sera vendu. On dit ce que c'est un magasin de bobos en plein cœur de Paris. Exactement. Très voilà. Hype. Ouais. Voilà. Et ça ne coûte que 69,90€ quand même. Ah oui. Ce truc-là. D'accord. Et au crash, au lancer sur le carrelage. Ah oui, ça donne quoi, crash, je pense qu'il tient mieux que l'iPhone 7. Ah, tu crois c'est un argument. Moi, je demande à voir, mais je pense. Voilà. Ah, ça, je ne sais pas trop. Je c'est pas toujours trop. Dommage Bonne de sacrifier remarque. Un oui. iPhone 7. Mais... Ouais. Non mais là vous voyez par exemple j'ai internet hein, j'ai internet avec Opéra en 2G parce qu'il n'est que 2G hein, j'ai oublié de vous signaler. Donc voilà bon écoutez c'est la détox. C'est du T9 c'est vrai. Voilà, c'est que du T9. Voilà oh, c'est ça. Et on voit bien le petit appareil photo derrière qui est. Non qui est vraiment, ça peut faire un cadeau rigolo. Oui, voilà. Pour non, un petit téléphone de week-end, un petit téléphone même pour de les smartphones, pour les petits. Alors on va dire pour les enfants. Alors je ne veux pas paraître complètement rétrograde, mais néanmoins quand on envoie ce... pour éviter de lui donner un smartphone, même le vieux smartphone, etc. Ne serait-ce que d'avoir ça non, déjà. Je pense que c'est 8 contre... ans, ils ont des iPhones. Et bah, des iPhones à 8 ans. Des iPhones à 8 ans. Moi je demande à voir quand même. Mais ne serait-ce que voilà, c'est dans la poche, c'est pas mal. Le truc c'est que pour 20€ de plus, tu sais très bien, tu peux avoir presque un petit Android d'entrée de gamme, quoi. Oui, mais justement, si t'as pas envie forcément que puisse avoir accès à tout le parc applicatif, etc. mais que tu sois dans un environnement un peu fermé oui. à Apple. Pour passer des coups de fil en voilà, recevoir. Exemple, et ben, voilà, c'est, ben, c'est clair. Vous voyez, là sur YouTube, il y a 3 commentaires qui résument toute la problématique. On nous dit c'est du buzz marketing. Un autre qui nous dit il y a du smartphone chinois moins cher qui fait la même chose. Et on a Thibaut qui nous dit bah, moi je l'achèterais juste pour le souvenir. Pour le côté souvenir. Ouais. Voilà, ou alors si par exemple vous détestez et puis, une personne, vous lui offrez... abonnez-vous aussi, je sais pas pourquoi. Voilà. Ou alors si par exemple vous avez une personne que vous détestez, vous lui offrez ce téléphone, par exemple, il sera bien content. Non, oh, non. Bon, non. Enfin c'est rigolo, c'est le 3310. Ouais, voilà. Et ça risque de faire le buzz, hein. Franchement, bah, ça risque de faire le buzz. Si on me le donne, je le prends pour aller courir le week-end. Bah, pour aller courir le week-end, rester juste pouvoir prendre les appels. Mais l'intérêt du téléphone, attends, quand tu cours, tu réponds au téléphone. Non, moi j'écoute de la musique. Non, mais c'est parfois tu pars, t'attends un appel urgent. Tu es obligé d'avoir un gros truc du truc. Pas de problème. Oui, non, mais d'accord, mais regarde, Stéphanie est beaucoup plus mince que toi. Elle préfère peut-être avoir ça dans la poche de son short pour courir, c'est plus pratique. Et comme il est Bluetooth, tu te mets un petit casque, t'écoutes ta musique, t'es connecté au cas où il t'arrive un truc, tu peux passer un coup de fil. Et voilà. Et puis tu l'atomises par terre. Bon bah, c'est moins grave. Ce n'est que 60. Courir, c'est pas du tout un bon argument. Dis-moi, je vais en soirée, je veux frimer, tout ce que tu veux. Mais courir, je suis pas d'accord parce que regarde-moi, regarde mon téléphone. Non, mais regarde mon téléphone aujourd'hui. Et puis après, on va s'arrêter là. Mais ça, c'est compliqué à emporter. Dans ton, je sais pas moi, l'accrocher sur ton, dans ton short ou ton truc ou quoi, c'est compliqué. Il faut des accessoires. Oui, le glisses dans la poche de ton short. Tu écoutes la musique et tu cours. Bon, bref. Ding, troisième manche, on commence. Allez, c'est parti. C'est le début du... C'est... Non, mais donc, je vous assure... si vous venez d'arriver, ça fait 20 minutes qu'on parle du Nokia. Non, mais je vous assure qu'il faudrait qu'on fasse un fight, ça pourrait être très drôle, c'est une bonne idée. On va faire ça. Voilà, les amis. Oula, 18h42, Jérôme. Ouais, c'est n'importe quoi. Oh là là, il faut qu'on aille se coucher, là, dis donc. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi ce 01 Live. Vous savez que c'est tous les jeudis soirs, 01 Live Hebdo en direct sur 01net TV. Toute l'actu high-tech de la semaine débriefée avec les meilleurs spécialistes. Et merci à notre équipe technique de choc, bien entendu. Oui, alors nous avons Pierre Thiolin, nous avons Noémie Lefebvre-Marac et Thomas Remilleret. Voilà, on vous salue à tous les trois. Merci Stéphanie, Aymeric, à bientôt. Et vous le savez, l'actualité high-tech, c'est tous les jours sur 01net TV. On se retrouve très vite. Salut à tous.